Comment faire une magnifique miniature en 2024, je vous montre tout dans cette vidéo. Vous allez voir, le tuto est 100% gratuit, vous pouvez le faire sans avoir aucune compétence. Mais avant de créer une miniature, il faut bien comprendre la stratégie derrière une miniature, quelle est la psychologie humaine. Donc je vais vous montrer quelque chose que j'ai compris en regardant quelques miniatures. Typiquement, on va voir les miniatures d'Hugo Decrypt, qui a quand même 2,7 millions d'abonnés, et celle de Yumin Denzel, qui est à 1 million d'abonnés. Putain, c'est énorme. Bref, donc si on commence avec Hugo Decrypt, on va remarquer qu'il y a quand même des codes dans ces miniatures qui sont quasiment toujours les mêmes. Par exemple, typiquement dans cette miniature, qui a fait plus de vues que les autres, on va avoir d'un côté la tête de Macron, d'un autre la tête de Poutine, et au milieu l'attention centrée sur quelque chose. Concrètement, on a trois éléments différents ici. Si on regarde un petit peu ailleurs, par exemple sur cette miniature qui a bien marché aussi, on a encore trois éléments. Ici, d'un côté Joe Biden et Macron, au milieu quelque chose qui nous concentre l'attention, donc des missiles, et ensuite on a Poutine sur la droite. Encore une fois ici, pareil avec Anne Hidalgo, à gauche, à droite Macron, au milieu la tour Eiffel, à chaque fois trois éléments, gauche, droite, milieu. Si on regarde Yumi Denzel, c'est exactement pareil, d'un côté 0 €, de l'autre 1 million d'euros, et au milieu Yumi Denzel. Ici à gauche une montre, à droite une autre montre, au milieu Yumi Denzel. Ici encore pareil. Enfin bref, je vous montre encore quelques petites miniatures, mais celle-là, celle-là, ou encore celle-là. Enfin vous voyez, c'est quasiment toujours les mêmes codes, hein. Même celle-ci, vous voyez, d'un côté il y a Yumi, de l'autre un autre mec, il y a écrit milliardaire au milieu. Enfin bref, vous avez compris le délire. Donc ici l'idée, c'est que j'ai donc créé un petit peu le même principe. À gauche Yumi Denzel, à droite ici un truc complètement utopique, un signe Illuminati. L'idée, c'est de faire genre une vidéo complot, hein. Bon, me demandez pas pourquoi, c'est sorti de ma tête comme ça. Donc je vous enverrai exactement ce pack dans la description avec la miniature. Donc vous aurez absolument tout ce que j'ai ici. C'est un peu en bordel, hein. Grosso modo, j'ai double-cliqué sur Yumi Denzel et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une lueur interne. Donc cette lueur interne, elle est en dégradé. Elle tire un petit peu sur le jaune parce que le texte est en jaune, et de l'autre côté en rouge parce que je voudrais faire un extérieur un peu rouge avec des flammes dans les yeux. J'ai ajouté un satin qui va changer en fait tout simplement la couleur du personnage. Vous voyez là, il a un teint absolument normal, entre guillemets. Et ici, j'ajoute un teint un petit peu jaune pour coller avec la miniature, et ensuite une ombre de portée pour qu'il ressorte plus dans l'image. Ensuite j'ai ajouté plein d'effets, que ça il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour ajouter des effets, hein. Vous faites comme vous voulez, il y en a plein, des particules aussi. Moi j'ai mis des particules de feu, j'ai mis ici un petit peu de verdure. Ensuite vous avez des filtres, pareil, il n'y a pas de secret en fait, c'est vous qui faites à l'œil. Donc vous mettez des secrets, vous mettez toujours la vibrance light que je trouve qui est incroyable, ça rajoute un petit peu une couleur jaune. Après encore une fois, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi, hein. Ce que je trouve qui est bien, c'est de prendre du recul par rapport à la miniature. Vous voyez là par exemple, je fais comme si elle était en mode miniature, du coup je fais le contraste entre vibrance light et avec et sans. Bon, concrètement je pourrais très bien l'enlever, hein, mais moi j'ai décidé de le laisser. Et cette image de fond que j'ai prise, c'est tout simplement une image de ChatGPT. Donc je suis allé sur ChatGPT+, j'ai écrit génère un salon de riche milliardaire, je me suis pas cassé le cul et je l'ai généré. Et ensuite ça va être ça le plus compliqué, c'est la réalisation des cubes. Donc comment on fait pour faire ça en fait? Vous avez juste, donc pour montrer à quel point c'est facile, je vais créer un nouveau document et je vais vous montrer très rapidement comment on le fait. Donc vous allez ici dans forme, vous allez hop créer un rectangle, je vais double cliquer sur cette image, je vais aller dans lueur interne, hop dans lueur interne je vais ajouter exactement ce que j'ai ajouté là, juste que je vais mettre du rouge sur le côté, hop on fait ok. Ensuite on va dans incrustation en dégradé, hop on va modifier des couleurs, par exemple bah moi du coup je vais mettre du rouge sur les extrémités, et au centre bah je vais mettre tout simplement une couleur un petit peu rougie mais pas complètement, vous voyez, à la limite entre le rouge et le orange pour faire un petit contraste. Je fais ok, ensuite je vais dupliquer le rectangle, donc je clique sur le rectangle, je fais CTRL-C, CTRL-V, hop, j'ai le même rectangle au-dessus, je les superpose et j'avance un tout petit peu le rectangle vers le haut. Du coup, je reclique sur le rectangle du haut, je vais dans ombre de portée et là, je vais ajouter du coup un petit effet un petit peu noirci. Alors, vous pouvez ajouter d'autres effets que noirci, par exemple, aller chercher du rouge un petit peu plus foncé, sans pour autant dire d'aller complètement dans le noir. Cliquez ici sur texte et créez un texte, par exemple, vous allez écrire... par exemple j'écris choisir, me demandez pas pourquoi, hein. On va juste augmenter la taille up de notre texte, on le fait tout simplement correspondre à notre cube, et ensuite on va pouvoir redimensionner notre cube, vous voyez, hop comme ceci, pour le diminuer et que ça rende un petit peu mieux, que ce soit beaucoup plus esthétique. Et voilà, là par exemple on a créé un texte. Alors vous pouvez évidemment changer la couleur du texte, prendre du noir si vous préférez prendre du noir. Sur du rouge je préfère prendre du blanc. Maintenant si c'est du jaune je préfère prendre du noir. Donc c'est vraiment à vous de voir, ça c'est plutôt facile à faire, hein. Et après avec le jeu de light, bah c'est super facile, hein. Donc tout ça c'est disponible dans le pack qui est dans la description. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. C'était Faraway, à la prochaine, à plus.